getting stuck, I see feet in the mud. You have been caught in the flood. While the water isn't parted, we run reap, but you sow the harvest is us. You have been enjoying life, sipping the syrup and a line in the white. Taking whatever you touch, the sword of the wicked. Voilà, on est à la Skate Plaza Lancy. Je suis avec Steve. Il y a aussi Nemat, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu sur la chaîne. Il y a la copine de Steve là-bas, quelque part. C'est la première fois qu'on vient ici. On avait vu les photos et tout, ça avait l'air stylé. Et franchement, c'est stylé. Mais c'est peut-être un peu petit quand il y a du monde. Là, il y a quelques gars entre autres, quand il y a du monde, c'est un peu condensé. Mais le parc est bien stylé, il y a moins de faire 2-3 trucs. Là, je fais d'abord un peu de skate, après, je fais un peu de bike. Nemat, il est là pour prendre des photos. Pour vérifier si le béton est bien posé. Quand tu veux, fais-nous une figure de ton répertoire. De mon répertoire. Je te garantis pas que la board elle va retomber sur toi. On verra hein. C'est de faire quoi exactement? Hein? C'est de faire quoi exactement? Bah, ah, juste te poser genre 2 secondes et repartir. Juste... Ouais, non, mais c'est façon de parler. Oh la caméra! Ok, le premier qui le fait. Mais on fait un essai chacun alors. Ok. Vas-y. Alors moi je pensais redescendre avec les deux pieds sur la board. Ah. Bon bah voilà, j'ai niqué mon jeans. Tu peux regarder le bien celui-là, ok? Je regarde. Oh. Tu sais, je voulais faire un 3-6-8 à la fin. Ah ouais. Comme ça, t'as fait ça. Ouais. C'est pour ça que c'est dur. Ça aussi. C'est une excuse. Tu peux le refaire une deuxième fois de suite? Vas-y, mais après du coup j'ai 2 essais. J'ai un deuxième essai. Oh le putain. Ok, j'ai 1 essai pour le mettre. You lose. T'as perdu. Alors ton impression après la défaite? Comment tu fais? Faut te pencher un peu plus en arrière qu'en avant. Toi t'es trop en avant, comme moi au début. Voilà. Oh, tu vois? Ouais, ça marche. Voilà. Oh mais mec, mais t'es honteux. Tu es mauvais, tu es mauvais. Oui. En fonçant là-dedans, je me suis ouvert. Premier essai. Ça va être chaud. Prends ton temps avec hein. Ça glisse pas. Mais t'as fini de tomber comme une merde à chaque fois. Vas-y, front bright flip là-bas. En sortie. Oh. Putain, je pensais tellement pas. Il est passé limite, hein. Merci, mec. C'est cool. Je te garantis que t'as pas les couilles. Ah ouais? Ah ouais? Tu me garantis que j'ai pas les couilles, mec? Ah ouais. D'accord. C'est vraiment une merde, hein. T'es prêt? Ouais, ouais. Le divertissement. Hyper satisfaisant. Toi, tu croyais pas que j'allais descendre sur le cul? Il va pas oser de toute façon. Ah ouais? Ouais. C'est ce qu'on va voir. T'es prêt? Ouais.
C'est ça que t'appelles rider toi, connard? C'est dégueulasse, mais ça fait partie de la ride. Allez, en position. On va faire un concours de hauteur là avec Steve. Vu que le skate c'est pas vraiment le sport qu'on fait d'habitude, ben on n'est pas méga fort et du coup même juste faire un concours de hauteur là-dessus, ça me fait un peu bader quoi. J'ai pas envie de me casser la gueule. Oh god damn it. Je crois que t'as déjà gagné mec. Bien joué. Bon bah voilà, on se casse. C'était sympa, c'était une bonne session. Comme d'hab, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaise. En tout cas, moi, on s'est bien amusé. Du coup, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo de skate. Ouais. BMX, peut-être même un peu de trot. Et bah à plus quoi.